En plus, le monde qui te pensait que USCIS blié yo, ou bien voye dossier pa yo nan coin, heureusement, recevoir email pa yo. J'aime te dire que dans jour ça, nous pral grand pile bonne nouvelle qui pral tomber, et yo pral tomber pa pile et pa paquette. Yo pas tomber sans raison. Yo tomber parce que nous avons la foi, parce que nous prions, parce que nous croyons que bon Dieu contendait prier moun. Dossier ça intéresse en pile. And then, nous pral parler de yo matin. Nous avons pile question sur le programme Biden. Non? Donc, aujourd'hui, nous pas dans le studio. And then, moi, dit que coûte, moi-même, moi prends décision pour me capable toujours informer, ni le gain temps, ni le pas gain temps. Ou cap remarquer aujourd'hui, pas gain temps. Nous avons pile question qui tombe et question ça est vraiment important. Donc, nous allons répondre à question ça yo également, mesdames et messieurs. Vous avez une chance dans la vidéo, ça. Ouais, originalement, Madame Martine Moïse, donc, qui parlait. Bien plus le commentaire qui fait. Et nous gagnons, Maître Caleb Jean-Baptiste. Donc, nous déjà en contact avec Maître Caleb Jean-Baptiste. Et donc, nous pourrons parler de trois paroles dans la vidéo, ça. Ou même qui sont moun qui n'ont gros tribulation, ou même qui sont moun, yo fait un pile crime dans le pays, ou même qui sont moun, ou pas gon avocat. Quand on fait confiance, guys, Maître Caleb Jean-Baptiste son référence, et son j'aime pour vidéo, ça pas trop long, pour me guetter en parler un peu de Maître Caleb Jean-Baptiste. Bonjour, bonsoir tout le monde, comment nous y m'espérez en forme, si nous regardons la vidéo, ça nous l'a toujours, donc nous dit papa bon Dieu, qui a dans ciel là, gros merci, qui fait un cadeau, un jour en plus, ou qu'on ça déjà, non pas c'est MPH, Zami Miore les mêmes pays, c'est toujours un plaisir pour me passer, pour me fournir nos informations. Mais moi c'est premier moun nous croiser à 7h du matin, avant le travail. Sûrement matin, on t'es capable de sentir, ou t'as voulu décourager, t'es capable de sentir un peu l'émotion tout. Et vous êtes capable de sentir des paroles, des idées, des bagages, des faits, donc qui vraiment affecté ou attendre un mot nommé MPH. Bon, je dis bagaille, pas quitter personne défini. La vraie définition de votre existence, c'est vous-même qui connaissez. Pas que personne qui compte tout plus passé. Tout le monde qui juste garde polyvalent, yo juste bail et argument pas yo, porte jugement pas yo. Mais c'est vous-même qui connaît qui ça qui en dedans livre là. Surmontez yo. Eh bon, je ne à pas moi battre pour gagner victoire sans pas gagner ennemi. Ça pas exister. Moun qui gagne victoire, c'est moun qui te non bataille. Pas mandé bon Dieu pour le tuer ennemi ou yo. Mandé le courage pour capable combattre avec yo et puis pour porter victoire. Parce que force n'est pas dépendre de quantité cool kabaye. Il dépend de quantité cool kapren baby. Attendez. Force pas dépendre de quantité cool kabaye. Il dépend de quantité cool kapren. Sous son lâche, baye vague. Mais sous qu'on son combattant, campé, carré, gourmet, tonton. Vle pas vle, faut approuver dans le programme Biden, non, ça c'est prophétie me fait sous tête. Et ma bonne garantie, bouche pas me béni. Automatiquement me dit on bagaille, la fête. Ou mettez espéré, et bien, ou pral gen bon bagaille qui pral tomber. Email pour la pral tomber, même j'aime bien tout email ça qui tombe là. Yo pas tomber sous programme ici, yo tomber parce que nous te croyons, parce que nous t'a prié, prié à monter, grâce à la descente. I love myself, let me talk to you. Hey, j'aimerais te dire dans la vidéo, ça nous gagne pile bagaille pour nous parler. Ou capable de hier, quantité nouvelle qui sont tombées, tant que la pluie. Alors, nous t'avons parlé seulement de ça. Côté que nous gagnons plus que 49 000 Haïtiens qui approuvé dans le programme Biden, non, plus que 49 000, mesdames et messieurs, sont gros causés. Plus que 49 000 Haïtiens qui approuvé dans le programme Biden. Non. Donc, les gens qui ont eu l'autorisation de voyager dans le seulement pour vivre dans le mois de mai. Et je comprends là, selon Jean Bagalaï là, nous déjà presque dans 60 000 et plus pour vivre dans le fin mois de juin. Je promets au DHS à bonne nous information ça, et puis nous fort une information ça très bientôt. Sous votre quoi abonner, bien vidéo ça like, c'est façon ou capable montrer ou apprécier travail ça. Pendant que vous regardez la vidéo, regardez à droite. Vous voyez un bouton qui est en noir qui marque souscrire, mais ça c'est espagnol. Si le en anglais, vous marqué subscribe. Si le français, vous marqué s'abonner. Cliquez sur le bouton ça. Là, vous fin cliquez sur lui, vous avez une petite cloche bon côté. Cliquez sur cette cloche là tout. Sous cette cloche là, vous pouvez l'abonner automatiquement par sous première option. Vous après flèche là sous deuxième option. Retirez flèche là sous deuxième option, mettez sous première option que c'est tout. Ça veut dire chaque fois monter une vidéo ou joindre une notification. Et puis pas oublier la grande like. Travail ça, mesdames et messieurs, 49 000 monde. Donc hier, nous sommes capables de faire tout. Donc, Blas Nouniès, il y a un pile de taille. Il y a des gens pour prendre patience. Il y a des gens qui peuvent joindre en fait autorisation voyage. Contacter USCIS. Il parler de garder vidéo hier là pour gagner plus de détails parce que je vais toute interview et je vais interpréter dans la vidéo hier là. Donc, merci pour love là. Avant de rentrer dans le programme Biden, nous connaissons ça plus important pour nous. On nous parlait de Martine Moïse. Donc, m'a quitté à la fin. M'a quitté Martine Moïse à la fin lui-même. Donc, côté que les baillons interview, que m'a fait commentaire sur lui. Et avec France 24, ok, qui c'est télévision radio, ça qui en France. Les baillons France 24, donc yon interview. Côté que en pile monde cité, non Joseph Mateli, non Premier ministre l'a cité plusieurs fois qu'il était capable d'inclure dans la mort Jovenel Moïse là. Donc ça son bagaille, nous pas capable comprendre côté que nos premiers ministres la plein de cité, il pas jamais bon ami qui dit hey yo, non cité en pile alors par devant la justice font déclaration ou bien voyez avocat représentant parce que vous parlez dessus de la loi. Si c'est vous même qui prenez justice dans le pays ou même vous pas qu'à humilier la justice. Si vous cité, vous relève donc vous t'a dû paraître. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qui est fait. Tête chargée. On quitte ou obtenait Martine Moïse à la fin. Mais avant de prendre le programme Biden, non, pour me parler de M. Caleb Jean-Baptiste, qui est équipe avocat, non Port-au-Prince, t'as voulu commettre une grande erreur pour empêcher M. Caleb Jean-Baptiste fonctionner ou bien exercer fonction en tant qu'avocat pendant 6 mois. Donc, moi, pour parler à M. Caleb Jean-Baptiste, parce que moi-même, faut que moi dise que dossier Haïti, injustice en Haïti, je comprends ça veut dire. Malgré qu'il y a des gens qui ne comprennent pas l'injustice là, moi c'est un représentant tout un peuple, ok, toute une communauté. Moi je viens pour faire une grosse différence, ok, mettre bureau en Haïti pour les services, etc. Injustice. Nous avons justice de tous côtés, mettre Caleb Jean-Baptiste sur tout le monde besoin. Ma petite avocat qui voulait retirer permis, mettre Caleb Jean-Baptiste là, c'est tant qu'on a point épée ou après dans le cœur. Parce que, à la fin de la journée, même ou même qui prend le camper pour ta faire mettre Caleb Jean-Baptiste en fonction, on prend le besoin monsieur pour défendre nous. C'est un non-nègre qui baille corps et âme pour travail. Donc, si vous mettez Caleb Jean-Baptiste pas peur, aller dans la bourgeoisie, faire arrêter les gens, son bagage exceptionnel, ils sont signes d'indépendance, ils sont signes de liberté. Donc, je m'a demandé pour toute communauté, et me féliciter de John Colin Morvan. Et Teriel Telus, Nexao, ils ont commencé à manier dossier, donc mettre Caleb Jean-Baptiste là. Parce que nous pas qu'à quitter le Sinap Goumé, côté impunité en Haïti, et nos grands avocats capables de nous, nous besoin 10, 20, 30, 40, 50, 60 mettre Caleb Jean-Baptiste. Pas de question sur ces moun peau rouge, ou font bagaille la prête en cache mimimi, et tandis que les seuls noirs font bagaille. Non, nous pas qu'à nous racisser dans notre propre pays, nous. Ça pas qu'à faire du tout. La justice, c'est une pour toutes. Donc, faut que nous avions les mounsayo pour que nous capables de river, donc démanteler cancer. Et très prochainement, je me dis, moi j'ai une dame pas cité non, moi-même, non, je me préparé toute image, toute photo, etc. pour me préparer, et puis il dit actuellement, il est en travail, et il est en travail, il a un petit temps pour le venir sous nous, donc il me dit, ok, pas de problème, parce qu'on a pile malheureux qui a souffert. Et malheureux qui a souffert, c'est pas dame ça, il n'y a pas de responsable, c'est vous-même. Donc, l'important de se mettre Caleb Jean-Baptiste Lagaille pour nous camper ensemble avec lui. Nous avons dit encore, tout pays avec vous, toute jeunesse là avec vous, nous avons continué à combattre pour mettre Caleb Jean-Baptiste, joindre justice, lui, même j'en ai cherché justice pour tout le monde qui est dans le pays. Donc, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Nous avons continué avec, nous avons tourné avec plus de détails parce que je finis de parler à M. Caleb Jean-Baptiste. J'aimerais dire que nous avons pour vous parler, donc, à M. Caleb Jean-Baptiste. Donc, pour nous comprendre le dossier, appuyez bien. Et puis, pour nous comprendre le dossier, pour nous comprendre l'évolution du dossier, pour nous comprendre les documents en main, donc pour nous demander au peuple qui est dans l'international, et spécialement tout le monde qui est dans l'international, même j'avais, et pour nous tous, poster sur Internet, là, justice pour les gens qui demandent justice. Justice pour les gens qui cherchent justice pour le peuple. Nous ne pouvons pas quitter les gens qui cherchent justice pour le peuple, passer en papier. Parce que je nous fous là, parce que je toujours dit que le défenseur haïtien, nous-mêmes, nous n'avons pas de défense. Moun kap cherche défense, peuple là, sans défense lui-même. Moun kap goumé pour peuple là, le que yo prend balle, mais peuple là qu'on la gueule. Là, il faut que nous changions bagay là, faut changer fusil de poil. Ça veut dire pour nous dire non, M. Caleb a défendre nous. Si on attaque M. Caleb, lui attaque nous toutes. Nous les gars, nous remet M. Caleb en pile. Donc c'est ça qui fait que nous pas capable pas parler de dossier ça, même si nous n'avons pas parlé de dossier Biden. Non. Bon, on commence par bonne nouvelle. Bonne nouvelle, c'est que en pile monde qui te pensait que yo te oublié dans programme Biden, non, mesdames et messieurs, mais yo commencé à recevoir email yo là. Moun yo recevoir email yo là. Et souhait gris de moun qui voyage ou pas jamais voyager. Nous ça clair. Souhait gris de moun qui voyager ou peur de parler de ça ou pas jamais voyager. Parce que Sam Abdoula me connaît, il fait partie de ouvrage ça, Sam Abdoula, il fait partie de ouvrage ça. Ouali, la clé pour vivre selon la loi de l'attraction, si vous ne voulez pas parler de bagaille ou pas, jamais gagner, livre ça avant très cher bon côté dans côté mia. Donc déjà, je vais acheter une pour que vous connaissiez vous-même, je vais commenter, c'est soit vous aller sous, soit vous parlez mal, c'est parler mal ou vous aller sous. Si vous critiquez les gens, c'est critique ou vous aller sous. Si vous ne parlez pas de gens, c'est ça, vous aller sous. Ça, son loi la vie alliée. Nous relais le kama, mais c'est loi attraction. Ou attirer sans parler de lui. Moi-même, je parle de approuver, m'attire approuver sur moi. Je parle de bénédiction, je râle bénédiction sur moi. Je parle de belle monde, je râle beauté sur moi. Alors, allez, Timoun, on ne peut pas quitter pas occuper mon sur MPH. Toi, mon Raymond, on attend de radoter, radoter. Donc, on parle de monde sérieux. Merci, Nash Belle Chérie, je t'aime. Et donc, il y a un pile de questions là. Donc, qui ça pour. Et il dit qui ça pour appliquant fait qui ça pour si appliquant pas jamais joindre à pour vol d'application yo bien ce qui applicable joindre donc notre répondre question ça. Bonjour MPH, comment on y est? Moi espérer que ou en forme avec Jésus. Question pas non, est-ce que c'est un problème si vous appliquez pour trois moun avec un seul email? Me répondre question ça déjà. Et sous tablier code mot de passe ou MPH. Donc, vous pouvez cliquer sur Reset, vous allez pour capable login, vous dit login pour connecter, gardez puis bas, vous avez un côté qui marque Reset your password, ou bien Forgot your password, cliquez sur Forgot your password là, et puis vous capable Reset password là. Peut-être que je vais faire une vidéo spécialement sur ça. Et... Bonjour MPH, je Martine qui pose une question ça. Bonjour s'il vous plaît. Moi t'arrême ou répondre moi à question ça. Dans qui espace moi comme ça sans pas dans l'autre loterie, l'autre même dans l'autre normal là, ou pensez que yo arrivé sous moun mois avril yo. Son belle question, li gen sens, m'ba laisser répondre ni. L'autre loterie mais comment le fonctionner et puis l'autre normal là tout mais comment que le fonctionner. Donc il est important pour comprendre. Ça veut dire, même si vous n'êtes pas dans l'autriche, il y a privé sur vous quand même. Même si vous n'êtes pas dans la question de l'autriche, il y a privé sur le dossier pour là quand même. Comment bagaille là y est? C'est que si vous finissez pour un mois de janvier, si vous terminez avec le mois de janvier honnête, vous pouvez voir que vous pouvez arriver 500 personnes qui sont plus anciens pour faire partie de seulement mois de février. Parce que lors des 500 plus anciens, c'est dans le mois de janvier, là, tomber tout le monde pour qu'on finisse pour tout le mois de janvier. Donc, là, on finit pour tout le monde mois de janvier. Là, on prend 500 anciens, là, tomber exactement, et non, espace moun mois de février. Ça veut dire mélanger avec l'autre. Là, on finit pour 500 moun, tout le monde février. Ça veut dire moun qui pille ancien, c'est moun mois de mars. Il y a pour 500 qui sorti dans le mois de mars. Ça veut dire, vle ou pas, mon mois de mars yo même, ou après yo final avant yo, avec yo net, avant mois d'avril. Donc, nous pas gen date exacte là, mais bon yon explication pour capable comprendre. Automatiquement, yo fini à mon mois de janvier, parce que j'en ouais, témoignage au pralé là, ou kaboué, y a fini avec mon mois de janvier, donc ou même qui en février, ça veut dire, loterie par loterie, yo pralivé sous ou. Pas prendre route là, tan, pas prendre route là le Mexique. Ou pape 40 aux États-Unis. Tan, il a déporté ou mettant il a privé sous dossier pas là. Parfois aucune route cochée, donc retétan pour être capable privé sous. Et moi gen Didine qui pose question hein. Salut MPH. Est-ce que si m'a prouvé m'a capable aller avec yon bébé? Moi gagné s'il vous plaît. À cause des problèmes payants, papa le pas qu'à entrer faire rien pour lui. Est-ce qu'il est capable bailler papa une autorisation pour lui entrer avec elle sans le pas venir Haïti? Si bébé a un programme non, papa a pas besoin entrer ou pas aller avec lui-même. Sou approuvé pour aller avec bébé a, faut que bébé a dans programme non. Donc m'a dit un bagay. Le a privé sous dossier là, il a tout approuvé bébé à tout. Fait papa faire application bébé à plus vite que possible, mettez la dossier pour là. Mettez la dossier pour là, moun qui fait application pour automatiquement il a approuvé ou il a pas approuvé bébé à tout. Même si vous fait application bébé à coulian là, kou il a privé sous dossier là, privé sous dossier bébé a, il a pas approuvé notre les deux ensemble. Bonjour MPH, comment est? Ça qui passe hier pour injection préliminaire là, yo poko di rien. Et bonjour frère, moi c'est moun 7 mars. Bon m'y idée. Explication sur le mois de février, li valable pour moun 7 mars là tout. MPH ou pas dire rien si Biden te présenté devant juge là non. Donc s'il pas présenté, connaissez accord yo gagné. Nous pouvons gagner information, nous pouvons gagner détail sur ça. Même Jean 30 mai yo pas dit nous rien non plus. Donc nous pas connaissez même bagarre là fait nous pouvons connaître. Automatiquement gagner, m'a faut connaître. MPH bonjour comment y est? MP, est-ce que nous pas ta supposé dire papan qui dans ciel là au lieu pour nous dire papan qui dans ciel là parce que ah là nous pas non là nous pas rentrer dans là on quitter là vous comprenez et on quitter là. So est-ce que nous pas ta supposé dire papam qui dans ciel là au lieu pour nous dire papam qui dans ciel là. Est-ce que nous pas ta supposé dire papam qui dans ciel là au lieu pour nous dire papam qui dans ciel là. Parce que Jésus te dit, nous, les n'a prié, n'a dit notre Père qui est aux cieux, qui veut dire ciel yo. Je dis, allez nous, dit ciel là, est-ce que nous pas mal prier? Yeah, parce que Jésus domine dans tout ciel, il est dans le troisième ciel. Il est dans le troisième ciel, donc il est au-dessus de tout. Ça pas de problème, pas de mal prier là, ok? Pas mal, ça pas mal prier. Donc, nous avancer. Salut MPH, qui quantité l'argent, yon moun ka gagné sous compte pour lui faire yon. Nombre de 4 moun dans le programme Joe Biden. Là, je fais une vidéo tout express pour ça. Et je regarde si je vais lien vidéo ça pour me capable reposter le pour vous. Et puis, ou même pour capable connaître quantité de corps ou besoin pour 4 moun parce que je ne suis pas là, je ne suis pas dans le bureau, je suis dans la machine. Donc, parce que nous dehors, c'est ça qui fait nous profiter de ça. Je faire vidéo ça pour même promettre que je répondre question ça, mesdames et messieurs. Et nous avons là pour aujourd'hui. Donc, rendez-vous à l'ICA, c'est pour 3h30. N'a sur YouTube, n'a sur Facebook, côté que nous pourrons partager avec vous tout dernier détail qui tombait hier soir, qui tombait aujourd'hui, hein, parce qu'il y a en pile nouvelles, et nouvelles en pile. Pas oublier quitter like là, en bas vidéo ça, partagez-la avec toutes l'autre amis, puis vous capable de rejoindre Martine Moïse. Merci, monsieur Perelman, et je profite de l'occasion pour saluer les téléspectateurs de France 24. Alors une question toute simple, Martine Moïse. 2 ans après, comment vous sentez-vous? Comment allez-vous? Pour moi, je vais bien si on peut le dire. Mais après un tel choc, on ne peut jamais dire qu'on va bien. Mais je prends soin de moi au fur et à mesure et au jour le jour. Et il faut dire que j'ai le support de toute une équipe dont je ne suis pas seule. Est-ce que vous vous sentez en sécurité aujourd'hui en Haïti? Est-ce que vous recevez toujours des menaces? Je ne peux pas dire que je reçois des menaces parce que je prends des précautions. Je ne fais plus de rencontres publiques. Tout ce que je fais, je le fais par Zoom. Que ce soit des rencontres ou des interviews, je le fais à distance. Donc, je prends des précautions. Alors évidemment, il y a une question que vous devez vous poser depuis cette nuit fatidique. Qui a tué votre mari? Peu après, vous avez déclaré que c'était des oligarques, le système qui l'a tué. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez une idée plus précise des meurtriers, des commanditaires de ce meurtre? Depuis après juillet 2021, il y a le procureur Bertford et ainsi que la DCPJ, la Direction centrale de la police judiciaire, qui ont diligenté une enquête. Et suite de cette enquête, il y a des soldats colombiens qui sont arrêtés, il y a des personnages politiques qui sont actuellement en prison. Il y a 6 mandats qui ont été émis contre des oligarques et également contre des personnages politiques. Donc, je pense qu'2 ans après, on peut avoir une idée d'où ça vient. Mais vous savez que suite aux mêmes enquêtes, il y a le gouvernement actuel qui semble être impliqué. Donc, ça n'avance pas fort en Haïti côté enquête. Mais on a plus ou moins une idée de qui a fait tout ça. Et vous pouvez nous dire qui a fait tout ça? Je ne dirai jamais, je laisserai, comme l'enquête est en cours, je laisserai le soin aux enquêteurs de le dire. Alors, je vais citer le New York Times. Fin 2021, il a publié une longue enquête dans laquelle il affirme qu'avant d'être assassiné, votre mari était en train de dresser une liste de puissants politiciens, des entrepreneurs impliqués dans le trafic de drogue en Haïti et qu'il avait l'intention de la remettre au gouvernement américain. Est-ce que c'est un récit fiable? Est-ce que c'est aussi ce que vous pensez? Si ça fait partie d'une enquête et que c'est la suite d'une enquête que ça a été dit, c'est sûrement fiable. Mais moi, je ne saurais le dire parce qu'il ne m'en a pas parlé. J'étais beaucoup plus axée sur le social que sur la politique. Donc, il y a plein de choses politiques qu'on ne discutait pas vraiment. Donc ça, je ne saurais le dire. Alors, je continue. Hein. Le New York Times affirme que certaines personnes se trouvaient sur cette liste, notamment Charles dit Kiko Saint-Rémy, qui aurait été un personnage central, et c'est le beau-frère de Michel Martelly, l'ex-président d'Haïti, hein, qui avait un petit peu adoubé votre mari comme son successeur. Et d'après le journal, votre mari aurait commencé à enquêter sur les réseaux de Kiko, aurait fait arrêter certaines personnes, et du coup... se pose la question du rôle de Michel Martelly peut-être dans le meurtre de votre mari. Est-ce que vous avez des soupçons? Bon, ce qui serait intéressant, c'est que cette liste soit rendue publique. Parce que moi, la liste, je ne l'ai jamais vue. Je ne peux pas dire qui était sur la liste et pourquoi cette liste existe, pourquoi telle ou telle personne était sur cette liste. Moi, je ne saurais le dire. Mais est-ce que vous pensez que Michel Martelly est totalement innocent de tout ça? L'enquête continue. Je pense que les enquêteurs, à la fin, pourront le dire. Mais tout ce dont je suis sûre, c'est que la vérité verra le jour. C'est qu'à la fin de la journée, tout le monde saura qui a fait quoi. Alors, est-ce que vous pensez que la vérité verra le jour en Haïti ou est-ce que vous pensez que c'est plutôt aux États-Unis? Il y a des enquêtes en cours et il y a quelques jours, hein, le 2 juin, Rodolphe Jarre, un homme d'affaires qui est à la fois haïtien et chilien, a été condamné à la réclusion à perpétuité pour son rôle qui n'était peut-être pas central. On sait qu'il y a 10 autres personnes qui doivent bientôt comparaître. Est-ce que vous pensez que ce sont les Américains qui vont arriver à trouver la vérité et peut-être à rendre la justice que vous appelez? Pour la condamnation de M. Jean, je pense que c'est un pas vers la bonne direction. Mais vu la complexité de cette machine qui a tué mon mari, je me demande est-ce qu'il a la capacité, ni même les moyens financiers de mener une telle opération. Parce que vous savez que c'est un crime et transnational. Donc, les États-Unis ont fait un bon pas, comme j'ai dit, vers la bonne direction, mais c'est pourquoi partout où je passe, je demande le tribunal pénal international, parce qu'au niveau d'Haïti, ça piétine, ça fait du surplace. Donc, je ne sais pas si ça va avancer. Et le gouvernement haïtien avait déjà envoyé 2 requêtes aux Nations Unies pour demander ce tribunal pénal international. Jusqu'à présent, ces 2 requêtes sont restées sans réponse. Moi, je continue mon pèlerinage, je continue mon plaidoyer pour que mon mari trouve justice avec ce tribunal pénal international parce que je pense que c'est le dernier recours pour avoir quelque chose de fiable. Alors, lors des funérailles de votre mari, vous avez eu cette phrase qui avait marqué les esprits. Vous aviez dit « Les rapaces sont toujours là. Ils nous regardent et ils rient de nous. » Qui sont les rapaces, Martine Moïse? Moi, je laisse aux enquêteurs le soin de citer le nom de ces rapaces. Mais tout ce que je dis, c'est ce que je sens. Parce que la façon dont mon mari a été assassiné, c'est pas quelque chose que du jour au lendemain, quelqu'un décide, ok, je vais assassiner le président, et ça s'est fait. Donc, c'est quelque chose qui s'est bien préparé et qui a une, toute une équipe derrière. Donc, ces équipes sont des rapaces, ce sont des mangeurs d'hommes. Et quand ils vous mangent, ils mangent avant tout votre caractère. Ils vous détruisent au point de vue médiatique d'abord. Donc, c'est comme ça qu'ils ont commencé avec mon mari, c'est comme ça qu'ils continuent avec moi. De temps à autre, vous entendez que Martine Moïse a fait ci, Martine Moïse a fait ça. Mais moi, je ne vais pas me démettre. Je continue à chercher justice pour mon mari. Et je continuerai parce que la justice, c'est avant tout, pas pour moi, la veuve, ni pour mes enfants, ni pour la famille Moïse. C'est avant tout pour le peuple. Parce que le peuple doit enfin faire son deuil. Donc le président Jovenel Moïse doit trouver justice. Alors, un des hommes qui faisait partie de ce gang, José-Félix Badiot, aurait, d'après un document d'un rapport de police, que je cite, appelé le Premier ministre du pays, qui venait d'être nommé par votre mari, Ariel Henry, avant et après l'assassinat. Est-ce que ça signifie que Ariel Henry a joué un rôle, ou en tout cas a été mis au courant de ce qui se passait dans votre esprit? Donc, c'est pas dans mon esprit, c'est les enquêtes qui le disent. Donc, c'est la DCPJ qui a donné son rapport et le procureur avait le rapport en main, la DCPJ a travaillé dessus. Donc, j'ai moi personnellement porté plainte contre le chef de gouvernement en place. Donc, d'après ces enquêtes, il est impliqué. Donc, c'est pas moi qui le dis. Alors, il est Premier ministre, j'allais dire de fait, parce que bon, le pays est dans une situation humanitaire évidemment, mais même politique très difficile. Il n'y a plus de président, il n'y a plus de parlement élu. Est-ce que Ariel Henry, qui lui veut aller vers des élections générales, peut rester en place ou est-ce qu'il doit partir? Mais est-ce qu'il veut vraiment aller aux élections? Parce que quand le président vous nomme, le président doit vous installer pour avoir un minimum de légitimité. Ils ont tué le président 2 jours avant. Donc, le chef de gouvernement qui est là n'a jamais joui d'aucune légitimité. Il se maintient au pouvoir d'accord en accord. Et pourquoi qu'il y a autant d'accords? C'est parce que les accords ne sont pas respectés. Donc, celui qui n'est pas respecté, on passe à un autre accord, à un autre accord, ainsi de suite. Mais je pense qu'on a besoin de notre Premier ministre avec un gouvernement de consensus qui pourra vraiment adresser le problème de sécurité, parce que je pense que le chef de gouvernement en place fait partie du problème. Donc, adresser le problème de sécurité, faire le référendum et faire les élections. Voilà ce qu'il nous faut avec un autre Premier ministre et un gouvernement de consensus. Alors, vous avez parlé de la violence, on parle beaucoup de la violence des gangs qui semble hors de contrôle, et des commentateurs, des observateurs internationaux, des acteurs de la vie politique haïtienne craignent plus grave, ils craignent une guerre civile en Haïti. Est-ce que c'est aussi votre crainte, Martine Moïse? Depuis après juillet 2021, les gangs se sont multipliés au niveau de Port-au-Prince et également au niveau de la Tibonite. Mais je pense que tout n'est pas perdu. Si nos amis veulent nous aider, ils peuvent renforcer notre force de police et également l'armée pour combattre les gangs. Et le peuple attend cette aide depuis tellement longtemps, près de 2 ans alors, donc qu'il a commencé à mettre en place son propre système de défense. Il s'est armé de machettes et va dans les quartiers où se trouvent les gangs pour pouvoir les tuer et faire que maintenant la peur change de camp. Dans le temps, c'est le peuple qui avait peur parce que les bandits devaient venir chez lui pour le tuer. Maintenant, c'est autre chose, c'est l'inverse. Mais est-ce que vous appelez à une intervention de la communauté internationale comme l'a fait Ariel Henry, ou est-ce que c'est inutile et est-ce que c'est dangereux? De 2004 à 2017, nous avons eu une intervention qui nous a laissé un goût amer à la bouche. Les soldats qui étaient venus, ils ont violé nos femmes, ils ont violé nos garçonnets, ils ont violé nos fillettes. Et avant de partir, ils nous ont laissé le choléra. Donc, on n'a pas trop envie de recommencer tout ça. Donc, nos amis qui veulent nous aider, renforcer notre force de police, renforcer l'armée pour combattre les gangs et avoir enfin une solution viable pour le problème de sécurité. Dernière question, Martine Moïse. Est-ce que vous vous sentez prête, 2 ans après, à reprendre le flambeau de votre mari et peut-être de jouer un rôle politique, y compris de premier plan, dans le futur? Est-ce qu'on peut parler d'avenir là maintenant? Parce que le chef de gouvernement qui est là, il est en train de traîner les pieds. Comme vous savez, il n'y a pas de conseil électoral. Il n'y a rien d'établi. Moi, je suis obligée de continuer avec la partie justice pour mon mari. Quand il faudra supporter quelqu'un ou faire quelque chose au niveau politique, on verra. Mais pour l'instant, je ne le vois pas venir. Martine Moïse. Et tant qu'il est là, il ne fera pas d'élection. Martine Moïse, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de France 24 depuis Haïti. Et merci à vous d'avoir regardé cet entretien sur nos antennes. Pendant que vous regardez la vidéo, regardez à droite. Vous voyez un bouton qui est en noir qui marque souscribir. Ça, c'est espagnol. Si c'est en anglais, vous marquez subscribe. Si c'est en français, vous marquez s'abonner. Cliquez sur le bouton ça. Lorsque vous cliquez sur lui, vous avez une petite cloche de bon côté. Cliquez sur cette cloche là tout. Sur cette cloche là, vous pouvez vous abonner automatiquement par sous première option. Vous pouvez flèche là sous deuxième option. Retirez flèche là sous deuxième option, mettez sous première option que c'est tout. Ça veut dire chaque fois que je vidéo, vous avez besoin de notification. Et puis pas oublier, là, vous like en bas vidéo ça.